Il y a eu une vraie révolution technologique avec l'apparition des télésièges débrayables, donc des remontées qui vont deux fois plus vite, pour faire simple, que les anciennes, voire trois fois parfois. Et donc le skieur, lui, il n'a pas amélioré ses jambes en 10 ans de deux ou trois fois. Donc en gros, le niveau de fatigue arrive sensiblement au même moment. Mais là où avant on se fatiguait en 6 ou 7 heures, vu les remontées, aujourd'hui c'est en 3 ou 4 heures. Donc du coup, il reste 20 heures à occuper et non plus 17 heures. Et rentrer à l'appartement tranquillement, ça ne suffit plus. Donc oui, il a été nécessaire là aussi pour s'adapter et pour faire en sorte que notre produit reste dans les clous et puisse séduire les vacanciers, de développer d'autres activités très variées. Alors on a parlé des piscines, des spas wellness, mais il y a aussi des activités outdoor comme les chiens de traîneau, comme les patinoires, la plongée sous glace. J'en oublie plein dans la journée, le soir, mais qui font partie de l'offre intrigante d'une station.